voter sur l'accord. La députée de Berthier-Marcy-Minonger. Vous qui avez voté en faveur de ma motion en 2014 pour compenser les producteurs laitiers. Voilà. Mais là, on dirait qu'ils sont en train de faire un virement de 180 degrés, M. le Président. Les hauts fonctionnaires nous disent maintenant qu'ils parlent d'une aide à la transition et disent ne même pas prévoir des pertes significatives, M. le Président. Mais les pertes sont estimées à 150 millions de dollars, M. le Président. Ça, c'est significatif, M. le Président. Les producteurs méritent leur juste. Est-ce qu'on peut avoir des réponses claires? Est-ce que le gouvernement libéral va compenser les producteurs laitiers, oui ou non? Monsieur le Président, laissez-moi vous dire que le ministre et moi-même, en tant qu'anciens producteurs laitiers, nous sommes pleinement au courant des besoins du secteur. Nous sommes le parti qui a implanté la gestion de l'offre et nous sommes le parti qui la défendrait. Comme je l'ai dit, nous sommes en train de finaliser les programmes d'aide à la transition. Notre objectif est d'améliorer la position des producteurs de lait, d'aider à la modernisation du secteur laitier canadien et d'en assurer la croissance et la prospérité. Merci, M. le Président.